J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Laissez-moi prendre une gorgée de café parce que il est tôt. Aujourd'hui, je suis tellement excitée de vous amener avec moi dans ce week-end vlog parce que c'est un long week-end. C'est le week-end de l'Action de grâce au Canada et ça veut dire long week-end et ça veut dire plein d'activités à thématique automnale et vous savez, l'automne. Ma fave season, je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de boire dans la magnifique tasse Palade, bien sûr, qui est encore dispo sur le site. Je bois un latte avec le café fin de session qui est également disponible, mais en édition limitée jusqu'à la prochaine collection. Fait que si vous aimez ce café-là, c'est votre moment de vous stocker. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans un petit week-end vraiment fun. On a des activités prévues ici à Montréal, mais aussi au Vermont parce qu'on se fait un petit road trip pour aller voir ma soeur jouer au hockey et profiter du Vermont et des couleurs magnifiques du Vermont. Oh, ça va vraiment être fun. J'ai déjà hâte de vivre ce week-end-là. C'est cool aussi parce que, je pense que j'en ai parlé un petit peu ici, mais je quitte pour le Costa Rica très 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 bientôt. Au moment où vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, je suis partie au Costa Rica. Mais j'avais un peu le FOMO de manquer toute la saison des couleurs et le vibe d'automne, mais j'ai l'impression que ce week-end, on va genre mash-up tellement de trucs que comme je vais avoir l'impression d'avoir vécu l'automne en 4 jours. Plan de match de la journée, c'est littéralement de faire nos bagages et de partir au Vermont. Au moment où je vous parle, je suis en train de comme prendre mon café pour après ça prendre la route. Vraiment, vraiment excitée de ça. Juste avant d'aller à faire mes valises et partir au Vermont, je voulais remercier Bélessa de collaborer avec moi pour ce vlog. Si vous connaissez pas Bélessa, c'est une compagnie par des femmes et pour des femmes qui a pour mission de démocratiser et de rendre ça accessible et fun, le plaisir sexuel chez la femme. Sur la plateforme de Bélessa, il y a une boutique avec plein de sex toys vraiment nice, mais il y a aussi une section forum pour poser des questions et discuter avec la communauté. Il y a une section sex education et il y a également une section pour écouter des vidéos faites par des femmes pour des femmes éthiques. D'ailleurs, parlant de genre rendre le plaisir sexuel de la femme accessible, en ce moment, si vous cliquez sur le lien dans ma bio, ça va vous diriger vers un concours sur le site de Bélessa où vous pouvez gagner automatiquement, genre chaque personne qui écoute cette vidéo aussi va gagner quelque chose, que ce soit un jouet sexuel gratuit ou un promo code avec des dollars de rabais pour magasiner sur le site. Fait que manquez pas ça, je vous mets le lien en barre d'infos. Et justement, j'ai deux jouets à vous présenter que j'ai reçus de la compagnie qui sont vraiment nice. Fait que laissez-moi vous en parler un petit peu plus. Puis dites-vous que vous pourriez soit vous procurer avec un méga rabais ces jouets-là ou les recevoir gratuitement en cliquant sur le lien dans ma bio, ce qui est quand même nice. Je vais commencer avec le Stim qui est un jouet pour vraiment venir stimuler des zones très précises. Ah oui, ce qui est cool aussi de Bélessa, c'est que ça vient dans des packagings vraiment discrets et dans des petits cases comme ça. Fait que quand vous chargez le case directement. Fait que c'est super discret. Ok, alors quand vous ouvrez le Stim, qui est un magnifique packaging, vous avez ce jouet-là ici à l'intérieur, qui est comme un petit wand vraiment précis. Et vous avez deux embouts, un qui est en forme de lapin comme ça, et un qui est une petite boule. Et vous pouvez mettre l'embout que vous voulez dans le fond sur le jouet. Puis après ça, vous allez pouvoir venir stimuler des zones érogènes très précises, que ce soit avec la boule ou avec le petit embout de lapin. Et vous pouvez également utiliser cette section-ci qui est moins précise, qui vibre également. Mettons que vous voulez genre moins de précision sur votre stimulation. Alors ça, c'est le premier jouet. Et honnêtement, j'ai gardé mon préféré entre les deux pour la fin, qui est le Air Vibe. Probablement que vous en aviez déjà entendu parler sur les réseaux sociaux parce que c'est un de leurs jouets les plus populaires. Puis comme avec raison, la gang, je capote dessus. Première des choses, encore une fois, pouvons-nous parler du packaging? On dirait un comme poudrier. Je trouve ça tellement cute. Encore ici, ça c'est pour le charger. Fait que super compact, vraiment discret. Ça se glisse bien dans une valise. Mettons moi qui s'en va au Costa Rica. Ça va peut-être être un go-to, you know? Alors quand ça s'ouvre ici, regardez-moi ça comment c'est cute! Le Air Vibe, c'est un double stimulateur. Fait qu'il y a une stimulation ici clitoridienne, donc une stimulation à suction. Et il y a une stimulation pour le point G qui va venir vibrer également. Vous pouvez mettre les deux en même temps. Et également amovible, ce qui vous permet d'avoir vraiment beaucoup de flexibilité pour que ça soit parfait pour stimuler votre région à vous. Perso, c'est un de mes jouets préférés parce que je trippe sur les jouets à suction. Je pense, j'en ai déjà parlé ici parce que c'est pas la première fois que je collabore avec Bélessa, mais en plus de tout, avoir une stimulation pour le point G, c'est vraiment nice. Fait que voilà, je vous invite full à cliquer sur le lien dans ma bio pour avoir accès à un jouet sexuel gratuit ou à des rabais. Et par le fait même, découvrir la boutique, les plateformes d'éducation de Bélessa. Et sur ce, ben, on passe à la vidéo. Ok, let's go! La gang, pas vous mentir, je me réveille de la meilleure des siestes
dans le lit de ma soeur. Ça a vraiment fait du bien. Puis je porte un hoodie de UVM. Repping the sis. Dans le fond, dès que je suis arrivée au Vermont, j'ai chillé un petit peu avec tout le monde ici. Mes parents, ma soeur et les filles, les colocs de ma soeur, donc des teammates. I was really tired. On dirait que des gloomy days comme ça, mélangés à comme le beaucoup de travail que j'ai fait dans les dernières semaines. It was a lot. J'ai travaillé pas mal tard hier soir aussi. En tout cas, bref, tout ça pour dire que I needed some beauty sleep. Puis ça fait vraiment du bien. Et là, je m'en vais au match. Il est présentement 5h50. J'ai jamais vlogué ici parce qu'il y avait toujours trop de gens. Je vais vous montrer un appartement de girls à l'université au Vermont. On dirait que je revis ma jeunesse. Ma jeunesse, comme si j'avais 70 ans. Ok, alors quand tu entres dans l'appartement, premièrement, il y a ça. Voici à quoi ça ressemble l'appart. Honnêtement, il n'y a vraiment rien à déclarer. Là. Ça, c'est la chambre à ma soeur. Je vais pas vous montrer les autres chambres parce que c'est les chambres des filles, mais comme, it's so funny. Là, genre, ça me rappelle tellement l'université d'avoir des drapeaux de même. Genre. Ouh, mes spotted, le café balade que ma soeur, elle utilise dans sa machine Nespresso. Je disais là, avant de partir dans un petit apartment tour qu'en ce moment, il est 5h50. Le match est à 7h ce soir. Mes parents sont déjà là parce qu'il y a un tailgate avec les parents de l'équipe, puis comme ils mangent, puis tout ça là-bas. And I'm starving, moi aussi. Fait que après ma petite sieste, je me dirige pour aller manger au tailgate. Fait qu'on va s'habiller lico presto et on va aller match. Look at me dans un parking souterrain parce que j'ai oublié de vous montrer mon fit. C'est vraiment rien comme fit, là. Genre, je me suis juste un peu maquillée, fait le visage. Puis souvent, quand j'ai pas envie de me mettre du mascara mais que j'ai envie d'avoir de l'air put together, je fais juste venir me mettre une ligne de eyeliner, genre de poudre de sourcil pour faire comme une ligne. You know? Fait que ça dessine un peu mes yeux. Anyway, je porte le manteau que de chez Sport Expert que j'ai posté sur Instagram il y a quelques semaines déjà. Ma casquette à Emmanuel de Color Daddy fait vraiment longtemps. Un hoodie UVM, des pants Levi's et mes Converse. Hello! Je viens de revenir de la game. J'attends que ma soeur finisse de se doucher et all. Je suis revenue à l'appart pour l'attendre. And I've got to make these. Je suis tellement brûlée la gang, il est genre 10h30, j'avais faim. Je me jette plus là. Oh my god, que je suis dans. Un McDo avec un trio de 10 croquettes. Puis pour ma soeur, 2 juniors au poulet. Oh, update! Ils ont gagné en supplémentaire. Là, ce qui me stresse dans toute cette histoire-là, pour être bien honnête avec vous, c'est que je suis dans un appartement de filles de 21 ans qui viennent de gagner un match de hockey. Fait que je sais très bien qu'on va vouloir sortir au bord. Mon envie de sortir au bord en ce moment est à moins 1000. Genre, j'ai considéré retourner à Montréal ce soir, mettons. Parce que ça me tentait pas de me faire déranger. Je suis rendue vieille, la gang. On dirait, genre, que je me sens comme bac à l'université. Genre, non seulement la route me brûlait, mais là, il est 10h30, puis je mange du McDo, puis je regarde TikTok, genre, j'ai quel âge? Good morning! Hi, on t'a pas dit salut. Good morning. It's the next day. Après mon McDo que vous avez mangé avec moi, ma soeur est arrivée. Elle a mangé son McDo et on s'est couché. Ça a pas mal été sur notre soirée. Yep. J'étais tellement fatiguée, la gang. Je me suis réveillée. C'est tellement out of character de moi. Là. Je me suis réveillée à 10h. Dormie à genre de minuit à 10h, mais comme j'étais claquée l'enfer. C'est tellement une journée d'automne parfaite aujourd'hui. Là. J'ai froid. It's a gloomy day. Comme on les aime, c'est froid, c'est gris, c'est... Oh. Oh mon dieu, là on s'en va chercher un bagel à la place de bagel la plus exquise que j'ai mangée de toute ma vie, pas des blagues. Oh, regarde! We've already decorated for Halloween. Spooky season! It's spooky season! Oh, elle a aussi appris une photo, elle trouve ça cute. Puis, j'essaye de pousser ma soeur pour qu'on aille au crew café. Yeah, we can go right after. Fait que c'est quoi qu'on a pris en attendant? Parce que là, le bagel est pas encore pris. Carrot cake. Yeah. Pumpkin spice latte. Exciting. C'est tellement beau avec les petites feuilles pis tout. Oh. Ooh, that's good. T'as-tu goûté? Mm-hmm. Mm. C'est taste, hein? Mm, le cream est vraiment bon, hein? Uh-huh. Parfait niveau de Philadelphia, pas trop sucré, là. Oh my god. Welcome to the Triforce. Veux-tu nous l'expliquer? Yes. So, eggs. Hash brown, sausage, pickled onions. Ça, c'est quoi, just normal des... pickles, and then there's like seeds. Bonjour! Oh, you're good! That's it. I'm shy!
YouTubers. It's so good, but it's so messy. Je vais faire de la marde partout, fait que je vais manger. À chaque fois que je viens ici, je capote à quel point c'est cute. Genre, c'est tellement Gilmore Girls vibe, là. Je suis triste de pas rester une semaine, la gang. Puis comme, je suis en train d'avoir le faux mot de l'automne, parce que autant que je pars durant l'automne, puis c'est le parfait moment pour moi de partir entre le Back to School Collection puis le Christmas Collection qui s'en vient, autant je suis comme... Je vais manquer fall, puis le cozy season, une partie. Puis genre, dans les dernières semaines, on dirait qu'il faisait tellement beau que ça filait pas encore l'automne. Puis là, ici, c'est vraiment l'automne. Genre, les feuilles qui tombent, de mettre des layers. Ah. Anyway, je suis contente d'avoir comme m'être submergée de toute cette ambiance-là au minimum. Et là, je m'en vais me chercher un café pour la route. Je vais aller un petit peu me promener sur Church tout seul, aller sur Okru Collective Café, qui est vraiment cute. Sur le Church Street, qui est comme la petite rue vraiment cutie. Got my PSL, such a basic girl. Et là, je suis prête à partir. Honnêtement, j'ai failli arrêter dans tous les petits magasins, genre Free the People. Je suis passée à ça d'arrêter parce que vu que je m'en vais au Costa, j'étais genre, oh mon Dieu, ce serait la boutique parfaite. Après ça, le bookstore que vous savez que je vais toujours. Mais je viens de m'acheter des livres pour partir justement en vacances. Fait que j'étais comme, non. Juste le voir, ça va te faire du bien. Mais je suis tellement heureuse en ce moment. Là. Genre, cette ville-là a la clé de mon cœur. Je trouve tellement que c'est cute. À chaque fois que je viens, je me sens... dans Gilmore Girls. Je me sens en petite escapade. Là, avec l'automne, c'est absolument magnifique. Ça me fait une petite douleur de m'en aller parce que j'aurais aimé ça profiter parce que le soleil vient de sortir et hier, il faisait vraiment rainy day, fait qu'on pouvait pas tant être à l'extérieur. Mais je suis contente quand même de l'avoir vécu pour un petit court séjour avant de partir au Costa Rica. J'ai l'impression que j'ai pu vivre l'automne un petit peu. Fait que sur ce, on retourne à Montréal parce que ce soir, on a une spooky day avec mes amis. J'ai vraiment hâte. Et c'est à la maison, fait que faut que j'organise un petit peu tout ça, fait que of course, je vais vous amener avec moi, mais je drive back au Canada. Cheers! Hello! Bon, c'est quand même sombre ici. Là. J'ai l'impression que la luminosité est pas top, mais je suis de retour à la maison et je suis allée à l'épicerie, comme vous avez pu voir, et à la SAQ pour acheter de l'alcool pour ce soir. Fait que je vous fais un petit haul rapidement. C'est pas moi qui s'occupe de la bouffe ce soir, qui s'occupe d'aller acheter la bouffe. Fait que moi, j'ai juste acheté quelques petits trucs. So, j'ai acheté du pain, là, avec la season, cozy season qui commence. J'ai juste envie de faire des potages, puis ça tombe bien parce que je pars dans... 3 jours au Costa Rica, fait que comme j'ai envie de pouvoir profiter de l'automne à son maximum avant de partir. Fait que j'ai acheté du gruyère pour pouvoir faire des grilled cheese et du potage. J'ai acheté un oignon pour le potage. J'ai acheté un casseau de fraises qui était en spécial. C'est les fraises du Canada encore. Je sais pas si c'est jusqu'à quand, mais je suis quand même surprise qu'il y en ait encore. J'ai acheté une patate douce pour faire une plaque de légumes grillés. Oignon rouge pour me faire des bagels saumon fumé. Et là, je viens de penser que j'ai pas acheté de bagels. Great. Un mix d'épices pour tarte à la citrouille pour une recette qu'on va faire tantôt, que je vais filmer pour TikTok par exemple. J'ai acheté un paquet de poivrons pour la plaque de légumes, une bouteille de Unilitro de la SAQ, vraiment un bon vin. Le vin rouge que tu as envie, là, que c'est comme un petit vin de soif, mais en même temps, il y a un petit peu de corps dans le vin, puis c'est un 1 litre, fait que c'est cool parce que c'est un bon format pour genre une soirée, mais pas prendre 2 bouteilles. Vous voyez, genre, on est 4, ce soit pas une soirée pour moi seule, là. Ok, j'ai également acheté un petit paquet de bonbons, des Mainers comme ça, que je vais pouvoir mettre pour décorer pour la soirée de ce soir. Une courge butternut pour le potage. Et j'ai acheté 4 petites citrouilles comme ça. Elles sont tellement cute parce que j'ai vu sur TikTok une activité de peinture, puis je trouve ça tellement cute. Fait que je pense qu'on va faire ça ce soir avec une petite coupe de vin, chit-chat. C'est comme tellement une belle soirée entre amis, je capote. Et la dernière des choses, ok, la gang, qui est une trouvaille, genre, pis chez vous, là-dessus, les plus beaux verres du monde. Genre, excusez-moi, c'est les plus beaux verres à Martini ou à Petit Margarita, ou en tout cas, ils sont tellement beaux, là, ils sont nervurés, parfaite taille pour un espresso martini. Parce que ce soir, j'accueille mes invités avec un pumpkin spice espresso martini.
I know. On sait pour ça, les petites épices. Fait que bref. Je suis tellement excitée. Il était 8$ le verre. Pour vrai, je trouve ça quand même abordable. Fait que j'ai acheté un set de 4 dans le fond. Puis je trouve que 32$ pour ces verres-là, c'est vraiment, vraiment chill. Fait que c'est ça. Bon, je vais ramasser tout ça. Et après ça, on se reparle pour préparer la place avant que les amis arrivent. Ok, la gang, on est obviously quelques minutes, voire je pense peut-être une heure plus tard. J'ai pris le temps de me préparer, de prendre du contenu pour Bellessa, qui est comme le sponsor de ce vlog-là, mais il fallait que je prenne du contenu pour Instagram. Thank God que mes invités sont en retard parce que j'ai pas eu le temps de faire de l'ambiance encore. Mais là, it's spooky season, puis c'est une soirée, film, puis tout ça. Fait qu'on prend quelques minutes, top chrono, pour installer ça en espérant que les gens arrivent en retard. Ok, pour les bienfaits de la vidéo, je vais allumer ça, mais je vais vous montrer l'ambiance après avec les lumières fermées parce que, of course, qu'on va pas avoir la même luminosité. Première des choses, bien des petites lumières. On va enlever Café Soleil et on va la switcher pour Confidence vu que c'est une soirée. On veut un vibe cozy. So, this baby va être parfaite. Ok, je vais mettre cette nappe bien basic beige là parce que anyway, va avoir des pops de couleurs ailleurs. Merde, j'ai une invitée d'arriver. Je suis en train de créer une petite ambiance et je suis comme semi-prête. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. Your sign de vous faire une petite soirée girls night comme ça entre amis avec des petites activités, je capote, genre je suis tellement excitée. Présentement minuit et demi, les filles viennent de partir. En fait, ça fait genre 20 minutes. J'ai fait un petit peu de ménage et là, me voici prête d'aller au dodo. C'était tellement le fun comme soirée. On a fait des petites citrouilles comme vous avez vu. Après ça, on a cuisiné ensemble. C'était tellement bon ce qu'on a mangé, la gang. On a mangé des pizzas à la courge musquée avec de la ricotta et un petit miel épicé. Ah, c'était trop bon. Et après ça, on a écouté un film, puis on a mangé des bonbons. C'était juste la parfaite soirée d'Halloween et ça m'a vraiment mis dans l'ambiance. Puis sur ce, moi, je vais venir conclure le vlog, cause I'm tired, je vais aller dormir. Un énorme merci encore une fois à Bellessa d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié le vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait tellement toujours plaisir de discuter avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on va se revoir très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!